On va faire 120 km en 3 jours. 3 étapes. En 3 étapes. Une de 30, une de 65 et une de 25. Ça serait trop facile, c'était juste ça. Donc ça va être en autosuffisance alimentaire. Donc on va devoir... sur toi là-dessus du coup. Je vais essayer, je vais faire ce que je peux. Ben là, je pense qu'on est vraiment au taquet hein, pour réussir ce défi Cap 48. Je pense que le fait d'avoir une préparation physique comme ça, auquel on ne peut pas forcément préparer, hein, on m'aurait dit il y a un an que j'allais courir 30 km, j'aurais dit ça va pas quoi. Mais voilà, le fait d'avoir cette préparation physique et voilà, de m'entraîner comme ça pendant 6 mois, je pense que j'ai un autre regard sur le dépassement aussi, etc. Je voulais absolument le faire avec lui pour pouvoir comprendre cette épreuve, vu que c'est une épreuve quand même vachement difficile. Et donc voilà, ça fait 5-6 mois qu'on s'entraîne et puis comme c'est un entraînement assez intensif, il faut, c'était important de le faire avec lui. Sinon, voilà, je ne le voyais plus pendant 6 jours semaine limite. Alors la sensibilisation que j'ai par rapport à Cap 48, c'est que ben, c'est mon papa qui a eu un accident de moto il y a 20 ans maintenant et qui n'est pas encore remis vraiment. Quoi. Il a eu pas mal de problèmes physiques, mais également mentaux, donc il a une amnésie. Et ben voilà, j'ai eu mon ancien papa et puis mon nouveau papa, donc c'est 20 ans après, on ne retrouvera jamais le papa qu'on a connu avant. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne cause dans laquelle on peut s'investir pleinement. En plus du défi Cap 48, c'est vrai que c'est un défi pour Cap sur l'or. Donc en fait, Cap sur l'or, c'est aider des sportifs de haut niveau handicapés donc, qui décrochent des médailles, etc. Donc les investir dans leur préparation, etc. Ben, voir ces athlètes qui ont un handicap faire des performances comme ça, c'est impressionnant parce que moi ici, faire 30 km, je suis déjà quasi au bout de ma vie. Donc je suis vraiment en admiration, je trouve que c'est vraiment énorme ce qu'ils font. Quoi. Nous on a déjà du mal en étant en bonne santé, donc je pense que voilà, avec un handicap en plus, c'est vraiment énorme. Après on a un autre défi, ça c'est sûr. Facile celui-là. Ouais, tranquille. La semaine d'après, on se marie. J'espère que pour le mariage, on sera quand même remis. Ouais. On risque mariage d'arriver, on va arriver mariage comme ça. Mariage en basket, c'est pour ça qu'on fait ce défi-là aussi. C'est pour pouvoir promouvoir le mariage en basket.